Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirifique.fr. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce numéro 89 de École Appli. Aujourd'hui, on va tester une application sympathique et musicale et pour des raisons de droit d'auteur via YouTube, on va essayer de pas passer les musiques en entier et donc je vais vous montrer quand même un truc assez sympathique. Donc Peacemaker, qu'est-ce que c'est ? C'est une application de DJ automatique, on va dire ça comme ça. Alors, au préalable, il vous faut mettre des musiques dans votre iPhone. Donc, si vous avez, comme moi, iTunes Match ou iTunes Cloud, on va dire ça comme ça, faites-vous une playlist des musiques qui vous intéressent à mettre dans cette application au préalable, hein, ce qu'on ne verra pas. Comment faire les playlists, mais faites-vous une playlist de musique que vous pensez pouvoir mettre en boîte de nuit ou faire un mix avec automatique. Alors, comment ça marche? Vous voyez, il y a un plus, c'est tout con, putain, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a un seul plus dans cette application, mais on ne comprend pas. Bon, bref, vous avez appuyé sur plus et là, il vous met une bibliothèque. Alors, il me dit que j'ai 5979 titres. C'est pas vrai, hein. Ils ne sont pas tous dans ma bibliothèque. On va cliquer dessus, mais en fait, tous les grisés, c'est ceux qui sont sur le cloud et donc qui ne sont pas dans le téléphone. Par contre, vous voyez qu'en bas, je vais avoir une playlist qui s'appelle My Club Mix. J'ai 28 titres. Là, ils y sont tous. Ok, vous voyez, ils sont bien clairs. Ils y sont tous. Donc, qu'est-ce que ça fait que ça? Alors, j'ai enregistré le son normalement hein, de l'émission. Hein. Ne vous inquiétez pas. Si j'appuie sur Mix Player en haut, clac, il va charger automatiquement. Alors, on va mettre en pause, on va pas tout écouter. Ce qu'il fait, c'est que il met vos musiques dans l'ordre qu'il a envie hein, de cette playlist. Il les met dans l'ordre qu'il a envie et il va les mixer automatiquement. Donc là, on a un petit Linkin Park. Voyez, si j'avance ici et que je me mets là. Tac, plutôt là. Vous allez voir qu'il fait l'enchaînement tout seul. Vous voyez? Là, il dit qu'il est en train de faire l'enchaînement tout seul. Alors, c'est plus ou moins des bons enchaînements. Hein. On peut passer à l'autre enchaînement, par exemple. Ici, hop. Pour vous montrer un petit peu. Voilà, c'est pour vous montrer. Après, on peut faire des effets aussi. Alors, on clique sur effets ici. On a les trips. Donc, on clique dessus. Voilà, par exemple. Hein. Ici aussi. Et les basses aussi ici. Voilà, hop, on peut l'annuler, le remettre ou l'annuler. Voilà. Après, il y a une touche en bas, je sais pas trop à quoi ça sert, à part peut-être à couper. Il y a mixé en direct. J'ai pas trop compris honnêtement. Donc on va arrêter ça.
Et après, je vais vous montrer à la fin. Donc là, il m'a mis toutes les musiques qui étaient dans la playlist. Et après, il n'y a plus rien. Donc, c'est un peu chiant. Donc, on va revenir à... On va mettre nouveau. On va pas enregistrer celui-là. On va mettre nouveau. On va sélectionner un titre. Par exemple, Cider. Voilà. Voilà, il me le lit, j'en veux pas. Voilà. Et après, par exemple, si on veut le faire soi-même. Si on clique sur nouveau ici, c'est la fonctionnalité qui est assez sympathique aussi. Vous voyez qu'il y a tous les titres qui sont dans la playlist que j'ai sélectionné tout à l'heure. Hein. Et il y a les concordances les plus probables en termes de rythme et tout ça, et qui va s'associer le mieux à la musique qu'on a juste avant l'autre. Vous voyez, vous comprenez? C'est assez sympathique. Donc là, il nous dit que Love Again de Crystal Fighter, c'est assez approprié pour s'associer au morceau précédent. Donc quand il est comme ça, vert, bien vert, c'est bon. Quand il est grisé, bah, c'est pas bon. Tout blanc, bah, ça veut dire que c'est celui qui est à l'écoute. Et etc, etc. Et au moins la jauge est remplie, au moins c'est pertinent. Donc là, Love Again, tac, elle est bien. Donc on peut l'associer en deuxième, c'est pas mal. Et si on met le player ici, hop, par exemple ici, voilà, tac, on fait un play. Vous voyez que c'est à peu près pas mal, hein. Voilà, grosso modo, voilà, cette application vous fait le DJ tout seul, et c'est vachement pas mal, parce qu'en fait, ça enchaîne vos titres automatiquement, alors, soit dans une playlist que vous avez prédéfinie, puis vous la mettez comme ça, puis c'est assez sympa en soirée, vous avez juste à brancher votre iPhone en jack, ça marche aussi sur l'iPad, mais honnêtement, la version iPhone est mieux. L'avantage de la version iPhone, si vous avez une Apple Watch, et je le précise, c'est qu'il y a des effets qui vous font payer, parce qu'il y a un store d'effets aussi, vous voyez, quand on va aller dans effets, si on fait plus, tac, vous voyez, il y a des effets à payer, donc le high-low, le reverb, le hachoir, etc, le beats, et bien tous ces effets là, si vous avez l'Apple Watch, ils sont gratuits avec l'Apple Watch. Ne vous amusez pas à les payer si vous avez l'Apple Watch. Ils sont gratuits et vous pouvez les faire depuis votre Apple Watch. C'est-à-dire que vous pouvez laisser votre téléphone, par exemple, à côté du jack, là, où vous avez branché le truc. Vous allez danser, tac, tac, tac. Et depuis votre Apple Watch, vous pouvez modifier le volume, passer les chansons et faire des petits effets comme ça. C'est assez sympathique. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette application parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes de droit en termes de musicalité sur YouTube et je ne voudrais pas avoir de problème avec ça. Cela dit, testez-la. Franchement, je vous la montre. Mais après, à vous de voir un peu les fonctionnalités qu'il y a. Essayez de mieux comprendre cette petite touche là avec l'espèce d'éclair qu'il y a à côté. Parce que j'ai pas très très bien compris à quoi ça servait. Honnêtement, je ne suis pas DJ du tout. Voilà, c'est assez sympathique. Allez-y, prenez-la. Elle est gratuite. N'hésitez pas quoi, Peacemaker, voilà, si vous êtes DJ, apprenti DJ, ou que vous avez envie de faire des soirées comme ça de temps en temps, essayer de faire le DJ dans les soirées, bah, c'est vachement bien, n'oubliez pas de prendre des bonnes musiques avant de partir dans votre téléphone, et tout ira bien. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un abonnement à iTunes Match ou à iTunes Cloud, vous faites une playlist et après, cette playlist, une fois dans votre téléphone, clac, 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 vous les téléchargez toutes dans votre téléphone, hein, et puis ça va bien parce que il va pas prendre les musiques à la volée en streaming, il va pas le faire, il va pas prendre les musiques aussi dans Spotify. Ça aurait été pas mal aussi d'ailleurs, mais ça aurait pas mal bouffé de data. Mais bref, voilà, c'est une super application. Peacemaker, je vous la recommande fortement. Et on passe tout de suite à la suite. C'est parti. Voilà, les amis, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application d'aujourd'hui vous aura plu. On va vite fait, comme d'habitude, vous rappeler de vous abonner au compte YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, il y a des émissions qui sont pas ailleurs, hein, qui sont pas dans les flux iTunes, notamment École Appli Watch, où on parle de l'Apple Watch, École iPhone, où on donne des astuces sur l'iPhone, comment le démarrer, comment bien le préparer avant la revente, ce genre de trucs.
Aussi, il y a des vidéos qui s'appellent les astuces de Timena, où là, c'est plus des astuces sur les trucs web que vous pouvez faire avec votre iPhone ou sur Internet. Et puis, aussi, parce que sur YouTube, il y a tous les épisodes de École Appli, ce qui n'est pas le cas sur iTunes, puisque notre hébergeur ne nous permet pas de mettre toutes les émissions. Voilà, voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Twitter et le Facebook. Donc, allez vous abonner si vous voulez savoir quand les émissions sortent et tout ça. Bref, nous, on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude. D'ici là, amusez-vous bien avec vos applis. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire deux fois par mois, en abonnement à iTunes et en HD sur notre site web, école.mirifique.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site ou sur mirifique.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee via www.tipeee.com/école-appli.